Bienvenue au siège de la Libre-Pensée, qui est à la fois le siège national et celui de la Libre-Pensée de Paris. Vous savez que la Libre-Pensée organise des conférences, toutes les fédérations organisent des conférences, et en ce moment, bien sûr, il y a pas mal de conférences sur la question palestinienne, sur la question la bataille pour la paix, pour le cessez-le-feu à Gaza. Et nous avons invité pour ce soir Ronnie Broman, voilà, qui est, vous savez, l'ancien, qui est médecin, qui est l'ancien président de Médecins sans frontières, et qui est connu pour ses positions contre le pouvoir sioniste en Israël et pour les droits du peuple palestinien. Et récemment, Ronnie a déclaré que la politique d'Israël mettait les Juifs en danger et le mettait en danger. C'est évidemment une perception que nous avons de plus en plus. Et bon, Ronnie a écrit un certain nombre d'ouvrages que malheureusement, on a manqué de temps et c'était un peu compliqué pour les commander, mais on va s'arranger pour en commander à la librairie dans les jours qui viennent. Il y en a un qui est assez connu, qui est « La discorde », qui est une discussion, une polémique entre Ronnie et Alain Finkielkraut. Alors, vous imaginez que la divergence est quand même assez marquée, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans n'importe quelle situation. Une personne qui travaille pour l'Agence spatiale européenne, qui venait discuter avec nous à la librairie tout à l'heure, et qui habituellement vit en Allemagne, aux Pays-Bas, disait « mais c'est incroyable dans ce pays, l'ambiance est lourde ». Oui, l'ambiance est lourde parce que nous sommes dans une ambiance policière, véritablement, et à tout point de vue. Hein. La police dans la rue, mais la police aussi à l'antenne des médias, et bien sûr à la une des journaux, à la direction des journaux. Tout à l'heure, en venant, je suis passé place de la Sorbonne, il y avait un rassemblement de cette organisation qui est devenue complètement sioniste, qui s'appelle l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, qui était là, sous la protection de la police, police qui, la veille, avait viré, et très brutalement, les étudiants de la place de la Sorbonne. Mais, en même temps, il y avait, devant le Panthéon, un rassemblement d'étudiants en solidarité avec le peuple palestinien. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, on a la répression, mais de l'autre, on a la résistance. Et je crois que la situation est caractérisée par ce couple, véritablement, oppression, résistance, et à un moment donné, il va bien falloir que l'un des deux l'emporte. Voilà. Alors, pour cette intervention, Ronnie, est-ce que vous pouvez nous dire comment, c'est pour vous lancer que je dis ça, comment vous ressentez justement cette situation en France? Bonsoir. Question ouverte, ben je la ressens comme vous l'avez décrite, c'est-à-dire je me sens dans un climat de régression de liberté, ou en tout cas régression de liberté pour certains. Ce n'est pas une régression homogène, si on en juge par les convocations, les interdictions de manifester, les menaces ou les intimidations qui pèse sur certains qui prennent la parole publiquement, c'est quand même dans un sens bien déterminé que s'opère, disons, soit la répression, soit plus généralement l'intimidation ou les entraves à la libre expression. Le délit d'apologie du terrorisme, qui est passé de la catégorie de délit de presse à délit de droit commun, fait maintenant l'objet d'un certain nombre de procédures, et il suffit de ne pas avoir été suffisamment vocal ou d'avoir tenté de fournir une explication politique et historique aux atrocités commises le 7 octobre pour être suspecté, je ne dis pas forcément mis en examen, mais en tout cas suspecté d'apologie du terrorisme, donc mis dans une situation pour le moins délicate, voire franchement oppressante. Donc je partage ce diagnostic, à l'évidence c'est le cas. Et j'y vois un succès de la propagande israélienne, de même d'ailleurs que ce qui était dit sur l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, n'a pas a priori
à se mêler de la question israélienne-palestinienne. Ce n'est pas une question de juifs, c'est une question israélienne, sioniste, et la distinction entre juifs et sionistes me paraît extrêmement importante à rappeler, voire à exposer. Je le pense avec d'autant plus de force que je suis moi-même juif, d'origine juive, par toute ma famille ascendante. Et je suis donc, en effet, en quelque sorte, convoqué par Netanyahou, par l'État d'Israël, dans des termes que je vais expliquer là, parce que ce terme de convocation, évidemment, il prête un petit peu à interprétation. Depuis, disons, la fin des années 90, le début des années 2000, surtout depuis le début des années 2000, une communication politique particulière, on pourrait appeler propagande, communication, dans ce registre-là, ça ne fait pas de différence. Une communication politique particulière a été mise en place, a été élaborée par les autorités israéliennes, avec d'ailleurs, et ça c'est le cas dans de nombreux pays, ça n'a rien de singulier à Israël, avec le concours donc d'agences de communication politique qui ont organisé quelques thèmes que l'on revoit à l'œuvre de façon régulière. Le premier de celui-ci, c'est pour ça qu'il me vient d'emblée à l'esprit, c'est d'effacer toute différence entre Israéliens et Juifs. Quand on parle des Juifs, on parle d'Israël. Quand on parle d'Israël, on parle des Juifs. Quand on parle d'un conflit israélo-palestinien, ça doit devenir un conflit judéo-palestinien. La deuxième, mais alors là, c'est vraiment plus du tout à l'ordre du jour, le deuxième pilier, ou disons le deuxième élément phare de cette communication, c'était parler d'Israël en coupant toute relation, possiblement toute relation avec la question palestinienne. Israël devait être présenté pour ses mérites, ses oranges, ses logiciels de sécurité, ses paysages bibliques, son histoire longue, sa culture européenne, très important, la culture européenne. Bref, tout ce qui est susceptible de présenter, de projeter une allure sympathique, tranquille, à la fois faite de connaissances scientifiques, l'Institut Weizmann, le Technion, les grandes réalisations médicales, surtout informatiques, il faut quand même bien dire, et surtout dans le registre de l'insécurité informatique, il y a quand même leurs grandes, et l'espionnage informatique, qui sont les grandes réalisations, en fait, d'Israël. Et de mettre au rencard la question palestinienne. Et reconnaissons que depuis 20-25 ans, en dépit des nombreuses explosions guerrières, explosions de violence, disons, principalement israéliennes, à l'encontre de Gaza en particulier, mais enfin des Palestiniens en général, reconnaissons que ça a relativement bien marché, au point que quelques jours avant le 7 octobre, enfin au début octobre, fin septembre, début octobre, on pouvait entendre par exemple Anthony Blinken, qui a dû changer d'avis depuis, vu l'emploi du temps assez serré qu'il caractérise. Anthony Blinken expliquait que le Moyen-Orient était dans une trajectoire vertueuse, que la paix et les droits de l'homme étaient en train de progresser, que les conflits étaient pratiquement éteints. Quant à la question palestinienne, pouvait-il ajouter avec un sourire, qui s'en souciait encore ? Et de fait, qui s'en souciait encore ? Il n'avait pas tort d'un certain point de vue. Ça ne voulait pas dire qu'elle avait disparu, la suite a montré ce qu'il en était, mais au moment où il parlait, en effet, toutes les chancelleries avaient rayé de leur agenda la question palestinienne. On pouvait entendre cela, moi je ne fréquente pas tellement les chancelleries, mais je connais des gens qui les fréquentent, des journalistes ou des politistes, qui tous allaient dans le même sens, notamment ceux pour qui la question israélo-palestinienne reste centrale par leurs études, par leurs intérêts politiques, peu importe. Ils étaient
littéralement abasourdi et quelque peu découragé de voir que, en effet, la question israélo-palestinienne avait dégringolé dans l'agenda politique et diplomatique, considéré comme une situation réglée considéré comme relevant finalement de ce que les Israéliens appelaient « tondre la pelouse », ce qui est une façon assez cynique, l'élégance cynique des Israéliens n'est plus à démontrer. Tondre la pelouse, ça voulait dire lorsque ça pousse un peu, au sens lorsque ça se chamaille un peu, lorsque il y a quelques bombes, quelques missiles, quelques phénomènes un peu gênants qui se présentent, hop, on envoie l'artillerie, hein, les drones, enfin les drones, ils sont là en permanence, hein, sur Gaza et la Cisjordanie, mais on envoie la troupe, disons, sous diverses formes, faire entre quelques dizaines et parfois quelques milliers de morts et de blessés, donc ça peut atteindre des niveaux de violence extrêmement élevés, mais qui finalement ne perce pas le mur de l'indifférence dans lequel est plongée la question palestinienne et dans laquelle se trouve le conflit israélo-palestinien. Reconnaissons, quoi que l'on pense, et j'en pense beaucoup de mal, quoi que l'on pense de ce qui s'est passé le 7 octobre, que c'est une transformation radicale de la situation qui a été induite, qui a été opérée par le Hamas. Je précise que je pense du 7 octobre parce que tout de même ça a une grande importance dans ce qui nous rassemble ce soir. Il y a eu environ 1200 victimes, 1200 morts et plusieurs milliers de blessés, n'oublions pas. Hein. Quand il y a beaucoup de morts, il y a toujours aussi beaucoup de blessés. Ils disparaissent vite de l'écran, mais enfin, ça reste des victimes. 1200 morts, plusieurs milliers de blessés, un nombre d'ailleurs qui n'est pas tout à fait clarifié, mais bon, c'est pas le sujet. Sur ces 1200 morts, environ, d'après ce que j'en ai compris, 400 sont des soldats et des policiers. Pour cela, il me semble qu'il est juste de parler d'une opération de résistance. C'est Gaza est sous occupation, je reviendrai là-dessus, bien sûr, et lorsqu'on est occupé, on a le droit de lutter contre l'occupation, y compris par des moyens armés. Ça ne plaît évidemment pas à l'occupant, ça va de soi. Par définition, l'occupant qualifie ceux qui lui résistent de terroristes. Mais enfin, dans la bataille extrêmement importante qui se livre sur l'emploi des mots, l'usage des notions mobilisées pour parler de ce conflit, la question doit être débattue. Les postes militaires et policiers attaqués et qui ont fait l'objet de combats parfois âpres ont été attaqués par des gens qui méritent le terme élogieux de résistance si l'on prend la question de l'occupation et le droit de l'occupé à se défendre au sérieux. En revanche, les crimes qui ont été commis contre des civils, pour analysables qu'ils soient, relève pour moi de l'assassinat pur et simple, et ont contribué, comme j'ai eu l'occasion de le dire à l'époque où j'étais encore invité sur les chaînes de télévision, relève du terrorisme, de la terreur pure et simple. Donc il y a un mélange d'actes de résistance et un mélange d'actes de terrorisme dans ce qui s'est passé le 7 octobre, et le terrorisme, je pense qu'il est indispensable, fondamental de le condamner, à la fois parce que c'est affreux et parce que il abaisse ceux qui le pratiquent. Je pense ça des Israéliens comme des Palestiniens. Je ne réserve pas cette analyse ou ce sentiment, peut-être plus un sentiment qu'une analyse, mais je ne réserve pas ce sentiment à une seule partie. Les atrocités commises l'armée israélienne constitue des actes terroristes et abaisse, et au plus profond de ce que l'on peut imaginer, également les Israéliens qui le commettent et ceux qui l'encouragent.
Mais j'étais parti sur la bataille des mots. Je continue, pardonnez-moi, c'est un peu décousu, mais c'est un peu la forme qui veut cela. Cette notion de terrorisme que j'ai refusé à plusieurs reprises et de façon constante d'appliquer au Hamas dans son ensemble pour lui substituer le constat qu'il existe des actes terroristes, c'est-à-dire qui s'adressent à des populations qui ne sont pas directement engagées dans le combat et qui sont destinées à marquer les esprits et à instiller la peur et à l'instiller dans des conditions telles que cette peur devient en quelque sorte radioactive, enfin en tout cas envahissante, qu'elle déborde largement le cercle de, disons, le lieu où s'est pratiqué l'acte terroriste. C'est ça, par définition. C'est d'ailleurs pour ça que le terrorisme est né avec les médias. Il n'y avait pas de terrorisme avant les médias. Le terrorisme est un phénomène fondamentalement médiatique, ce qui n'incrimine pas les médias, ce qui simplement situe le terrorisme dans un contexte particulier, qui est celui d'un retentissement qui va au-delà du lieu où se pratique l'acte terroriste. Eh bien, la stratégie de dissuasion des Israéliens, l'affirmation selon laquelle il n'y a aucune exigence de proportionnalité qui peut s'appliquer à un pays qui lutte en permanence pour son existence même, autrement dit, un pays contre lequel toute menace est une remise en question de son propre droit d'exister, ça, ce sont les propos sans cesse rappelés des Israéliens, eh bien, les Israéliens contestent l'exigence de proportionnalité qui est l'un des fondements du droit de la guerre, du droit humanitaire, selon d'ailleurs une doctrine dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'elle a fait quelques bruits là, mais elle date d'il y a une petite vingtaine d'années, une doctrine mise au point par le général d'état-major qui commandait l'armée donc à l'époque de l'attaque du Liban en 2006, doctrine dite Daria, du nom d'un quartier du Liban, de Beyrouth, du sud de Beyrouth. C'est pas bon, je comprends, non. Quartier qui a été intégralement rasé au nom précisément de cette exigence de disproportion qu'implique l'absence de profondeur stratégique, pour employer les termes qui sont en usage à l'état-major, l'absence de profondeur stratégique d'Israël. Donc, puisqu'on n'a pas d'endroit où se replier, il faut que la violence infligée soit tellement grande qu'elle dissuade toute idée même de réplique ou de poursuite du conflit sous une forme armée. On voit par la récurrence de ces soulèvements, de ces actes de violence répondant à la violence israélienne, que cette dissuasion ne marche pas. Et on le voit plus encore, vu l'ampleur de l'attaque du 7 octobre. Ampleur qui mérite d'ailleurs d'être commentée, parce que au-delà de la condamnation des assassinats de civils, il y a plusieurs choses à en dire qui me semble important. D'une part, ce n'est pas le premier grand massacre de civils dans le coin. Rappelons-nous Sabra et Shatila, qui a donc 1300 morts, si je me souviens bien, à Sabra et Shatila, dans la nuit, des femmes, des enfants, des vieillards, enfin, un carnage qui a été accompli avec l'assentiment actif des troupes israéliennes qui étaient autour de Sabra et Shatila, sous le commandement du général Sharon, et troupes israéliennes qui ont non seulement, se sont concertées avec les phalangistes chrétiens qui ont commis ces atrocités, mais celles-ci, les atrocités, ont été facilitées par l'emploi de fusées éclairantes qui permettaient aux phalangistes d'accomplir leur sale besogne plus facilement parce qu'ils bénéficiaient d'un éclairage qui faisait défaut à Sabra et Shatila. Donc ça n'est pas la quantité de civils, bien que Sabra et Shatila, bien entendu, en Israël, surtout aujourd'hui, on s'en contre-moque, mais enfin, c'est tout de même important de le rappeler. Non, ce qui fait la nouveauté, c'est que c'est le premier massacre de juifs commis à l'intérieur du territoire israélien, ce qui est une remise en cause fondamentale dont il ne faut pas sous-estimer l'importance, car vu d'Israël, c'est absolument central, et ça
explique aussi cette espèce d'union sacrée presque sans faille. J'insiste sur le presque, car il y a heureusement des groupes, des petits groupes sociaux, à mon avis héroïques, en tout cas à qui je voue une grande admiration, qui, en dépit de l'hystérisation fascisante qui a saisi la société israélienne, arrivent à résister à cette vague et à se dresser, refuser de faire le service militaire, refuser d'être mobilisé, refuser d'embrayer sur tous les arguments de la propagande israélienne. Donc, c'est ça qui caractérise le 7 octobre. Mais ce qui est aussi intéressant à considérer dans l'optique d'une compréhension plus large du phénomène, c'est les conditions dans lesquelles, les conditions encore non élucidées, donc je risque là, enfin, je donne quelques éléments d'analyse et puis je laisse aussi un questionnement ouvert, parce qu'il n'y a pas à ce stade de réponse, peut-être qu'il y en aura-t-il plus tard, mais le Hamas, a, d'emblée, et ça on le sait parce qu'ils l'ont dit, était surpris de la facilité avec laquelle ils ont avancé en territoire israélien. Ils s'attendaient à beaucoup plus de résistance, et donc les écarts, enfin quand ils sont partis vers les kibbutz ou la fête rêve qui se déroulait là, c'est sans doute aussi à la faveur de cette expansion en territoire israélien qui était tout à fait inattendue. De même, il y a eu des combats le samedi et le dimanche dans la ville d'Ashdod, juste au nord de Gaza, qui n'était sans doute pas complètement prévu par le Hamas, qui s'est trouvé dans une situation étrange. De même, on voit qu'un certain nombre de destructions ont été commises par des tanks et des hélicoptères israéliens qui ont, sinon, je ne dirais pas tiré dans le tas, c'est trop dire, mais en tout cas, étaient incapables de faire la différence, et on les comprend d'ailleurs, faire la différence entre des combattants du Hamas et des civils israéliens. Au passage, hein, notons que 50 Arabes israéliens ont été tués également par le Hamas dans cette équipée sauvage. Et par ailleurs, la rave party n'était pas prévue. Et cela m'amène à ma dernière constatation, enfin, le dernier point que je veux aborder concernant le 7 octobre. Quel est-il là ? Oui, que des centaines de jeunes gens, non pas nécessairement miliciens ou combattants, du Hamas se sont précipités à travers les brèches ouvertes par les bulldozers palestiniens, je veux dire, et se sont répandus dans les kibbutz. Ce sont entre autres eux qui ont été là. Mais enfin, des images, on montre aussi qu'il y avait des combattants à moto, armés, avec des gilets par éclat. Bref, des combattants sérieusement équipés. Mais ce qui est rarement rappelé, c'est que ces kibbutz, peuplés de gens que l'on décrit comme amoureux de la paix, des humanitaires qui aidaient des enfants ou des malades palestiniens à aller à l'hôpital, ce qui est à la fois, c'est pas moi qui dirais le contraire, plus qu'honorable, franchement louable, qui aide aussi à créer des liens tout simplement humains entre des êtres qui ne se fréquenteraient pas autrement. Donc ce sont des choses qui n'ont rien de risible, rien à dédaigner là-dedans. Mais il n'en reste pas moins que ces gens-là vivaient dans une opulence qui, par rapport à la prison à ciel ouvert qu'est Gaza, au blocus, au rationnement constant, quotidien, de tous les produits, de toutes les petits plaisirs de la vie, affichait une sorte de prospérité insolente. Quand l'eau était rationnée, quand l'eau était tourbeuse, boueuse, on pouvait voir des arrosages de pelouse, des arrosages de rue à quelques centaines de mètres de là, installés à la place des villages dans lesquels habitaient les parents, les grands-parents, les familles ascendantes des jeunes palestiniens de Gaza, qui autrefois vivaient dans ce qui s'appelle aujourd'hui l'enveloppe de Gaza, dans la terminologie israélienne,
enveloppe de Gaza, constituée donc de, notamment, deux kibboutz, qui, je le rappelle, ont toujours été des gardiens de frontières en Israël, hein, pas seulement la belle aventure collectiviste, partageuse, égalitaire que l'on dit, ce qui a aussi existé dans les kibboutz, il ne faut pas le contester, mais enfin, qui ont toujours été quand même une façon d'occuper les zones frontières, que ce soit au nord, à l'est ou au sud d'Israël. Donc, à l'ouest, c'est en la mer, c'est encore autre chose. Donc, quand même une partie de la rage effrayante qui s'est exprimée ce jour-là par des actes d'une violence extrême, elle provient aussi d'une sorte de, comment dire, d'héritage de colère suscitée et entretenue par les nombreuses victimes que font les raids israéliens réguliers, par... Je rappelle, hein, en 2018, lors des marches du retour, les tireurs d'élite israéliens qui faisaient des cartons que l'on peut encore voir aujourd'hui en vidéo. Je voyais à l'occasion de la lecture d'un article dans Haaretz tout à l'heure, une vidéo qui était signalée par Gideon Levy, évidemment, par n'importe qui dans Haaretz, où on voyait des jeunes gens en train de cibler deux manifestants qui étaient en train de déambuler à une centaine de mètres du grillage qui fait la frontière entre Gaza et Israël. Et ils ont fait un carton, se sont amusés. Et puis ça a marché. Ils ont donc tiré dans la tête de l'un des deux gars. Ils l'ont dégommé. Et ils hurlent de plaisir. « Waouh, quelle vidéo !» disent-ils. « C'est formidable. Ah là là, ça va circuler sur les réseaux. » Enfin, ils sont contents, quoi. Le meurtre de sang-froid, parce que c'est vraiment un assassinat à bout portant accompli de sang-froid, devient une sorte... Enfin, peut être considéré comme une valeur, je ne dis pas par tout le monde, mais enfin, par un certain nombre de gens. Et on a vu de nombreuses vidéos circuler ces derniers temps, y compris en français, d'ailleurs, puisque... Parmi les 4000 franco-israéliens qui combattent, il y en a un certain nombre qui se sont mis comme ça en scène et qui ont voulu parler français pour qu'on sache bien que la France, enfin des Français, était appliquée, enfin en tant que franco-israélien naturellement, pas en tant que Français. Sinon, au passage, ça ne soulève pas un émoi considérable dans les médias, que ces gens qui participent à une entreprise aujourd'hui qualifiée de génocidaire ou de plausiblement génocidaire, et la différence entre un génocide plausible et un génocide factuel, avouons qu'elle est quand même ténue. Hein. Elle ne mérite pas qu'on fasse des gloses juridiques sur des dizaines de pages. Il s'agit simplement de laisser une place à ce qui concerne la prévention du génocide, c'est-à-dire le fait d'enrayer un processus qui amène inéluctablement à un génocide. Eh bien, nous avons 4000 jeunes Français qui sont embarqués dans cette entreprise génocidaire, et il y a bien peu de médias, parmi ceux notamment qui poussent toutes les personnes qui ont un nom à consonance arabe à s'exprimer lourdement et avec insistance pour condamner et recondamner et condamner encore les attentats du 7 octobre, parce qu'une seule condamnation ne suffit pas, il faut encore employer les mots qui ont été désignés pour valider cette condamnation. Enfin, il y a quelque chose d'obscène dans cette rage à obtenir des signes, entre guillemets, d'empathie, et cette espèce de passivité, cette acceptation sans commentaire, ou quasiment sans commentaire, il y en a tout de même, heureusement, il y a des associations, des journalistes, des médias qui en parlent, mais je parle là d'une tonalité générale, notamment des médias audiovisuels, notamment des matinales du service public, qui ignorent totalement, enfin qui ont fait le choix d'ignorer ce fait qui est scandaleux, enfin qui soulève le cœur et qui pourtant est en cours comme ça. Voilà, j'en aurais terminé pour le 7 octobre. Il me semble que quelques points de repère sur cet événement majeur, parce qu'il y aura quand même, il y a un avant et un 7 octobre, méritent d'être éclaircis. Je termine par un point qui est relativement anecdotique, mais enfin, bon, qui dit quand même quelque chose. Les Israéliens, et c'est important de le préciser, parce qu'il y a, à mon avis, des rumeurs d'ordre plutôt complotiste qui circulent là-dessus, et comme bien souvent, le complotisme brouille la compréhension bien plus qu'il ne l'éclaire. En l'occurrence, c'est justement la facilité
avec laquelle les combattants du Hamas sont entrés en territoire israélien et la lenteur avec laquelle les Israéliens ont réagi. Ben, la facilité avec laquelle les combattants du Hamas sont rentrés n'est qu'apparente, parce qu'il a quand même fallu élaborer un scénario tactique extrêmement sophistiqué et reconnaissant au Hamas, qui n'est pas ma tasse de thé, parce que son conservatisme social et politique, son libéralisme économique ne sont ni l'un ni l'autre mes préférences politiques à moi, donc je ne me reconnais certainement pas dans la politique du Hamas, mais quand même, l'entraînement qu'il a fait subir, la préparation d'un scénario tactique avec drones, ULM, commando à moto, leurre, etc., c'était sacrément bien élaboré. Ça a été bien élaboré, mais ça a été aussi bien surveillé, parce qu'il y a des officiers de renseignement autour de Gaza qui s'intéressent à ce qui s'y passe dans l'optique de réagir rapidement, naturellement. Et il y avait notamment, c'est aussi Haaretz qui l'a rapporté, deux officiers israéliennes, deux femmes, donc officiers de renseignement, qui avaient reconstitué, enfin en tout cas anticipé, l'allure générale de l'attaque qui se préparait au vu des renseignements collectés au fil des mois dans leur observation de Gaza, observation par drone, par proximité, par informateur, etc. Il y a différentes sources de renseignements. Eh bien, elles n'ont pas été crues, je pense, pour un double motif qu'il n'est pas indifférent d'examiner. D'une part, le mépris colonial vis-à-vis des colonisés, l'idée que les tours de guet, les drones, les palpeurs, les senseurs, les grillages, etc., étaient largement suffisants pour neutraliser toute attaque de cette bande de va-nu-pieds, parce que c'est grosso modo comme ça que les Israéliens voient les Palestiniens de Gaza, quelques sauvages enfermés là-dedans. Enfin, hein, rappelons-nous Ehud Barak décrivant Israël et la Palestine comme respectivement une villa dans la jungle. Hein, Israël est la villa et la jungle avec ses bêtes féroces, ses scorpions et ses serpents. Ce sont les Palestiniens, c'est ça, la vision de... C'était la gauche travailliste, ça, hein, c'est pas Netanyahou. Donc, cette vision-là, elle implique un mépris souverain, Tsahal, moi j'appelle l'armée israélienne naturellement, mais ils aiment bien s'appeler par leur petit nom. D'ailleurs, vous remarquerez que l'armée israélienne est la seule qu'on nomme comme une jeune femme, hein, avec un nom propre, une majuscule, etc. Tsahal, en l'occurrence, là, l'armée à la fois la plus éthique et la plus efficace du monde, n'est pas menacée par cette bande d'attardés. Donc, deux femmes qui font remonter des informations comme ça, dans une optique quand même assez viriliste, quand on est une société de pionniers, de militaires, quand on valorise la force à ce point, le virilisme, le machisme, le sexisme vont avec. Et on peut, en dépit du caractère relativement paritaire, je dis bien quand même relativement paritaire des différents corps d'armée israéliens, le machisme n'en a évidemment pas disparu. Et ces deux femmes ont été renvoyés, je ne dirais pas à leur tricot, mais enfin, disons, à leurs observations quotidiennes, et devaient laisser le soin à ces messieurs, les généraux, d'interpréter intelligemment et stratégiquement les informations qui remontaient. On a vu ce qu'il en était, tout ça a été considéré comme nul et non avenu, la confiance dans la technologie, la surévaluation de ses capacités, plus le fait que Gaza était considéré comme un territoire résiduel où il s'agissait simplement de tondre la pelouse de temps à autre, et ça se faisait assez facilement, quelques jours, quelques semaines, à chaque fois, le problème était, entre guillemets, réglé. Ce qui les intéressait, c'était évidemment la Cisjordanie. Et c'est la raison pour laquelle, et d'ailleurs, une bonne partie des colons qui ont été évacués de Gaza en 2005 ou 2006, je ne me souviens plus, Marie-Claude, 2006, hein. 2006, oui. La plupart se sont retrouvés en Cisjordanie. Donc, on abandonnait
un territoire colonisé pour se contenter de le contrôler de l'extérieur, et on investissait au maximum la Cisjordanie. Eh bien, l'armée était également mobilisée en Cisjordanie, donc absente de ce front-là, ce qui est le principal reproche que font les manifestants qui se regroupent quotidiennement devant le domicile de Netanyahou, ou le Parlement, ou le ministère de la Défense en Israël. Ça n'est pas la sauvagerie de cette guerre, ça n'est pas son inutilité, son caractère complètement fou, c'est-à-dire totalement déconnecté de toute réflexion sur l'après, sur ce que l'on souhaite comme résultat final. Il s'agit d'abord de cogner, de se venger, de terroriser. Mais ça n'est pas contre ça que les gens manifestent. C'est simplement pour récupérer, ce qui se comprend, c'est tout à fait humain, leurs otages. Et je bouclerai mon propos sur première partie, qui est quand même le gros de mon exposé, sur ces notions d'otages, comme je le disais tout à l'heure, je veux en dire quelques mots, en rapport avec ce que je disais sur l'attaque des postes militaires et policiers, qui était l'acte de résistants et non de terroristes. Eh bien, de même, les militaires et policiers qui ont été capturés par les forces du Hamas ont été capturés, précisément, et non pas kidnappés. C'est la différence est de taille. On kidnappe un enfant, on kidnappe une personne sans défense, on est un voyou, un bandit qui kidnappe, qui prend un otage pour le monnayer contre une rançon. Mais là, il y a des prisonniers. Et par ailleurs, il y a en effet des otages, des jeunes gens, des enfants, des personnes âgées, civiles, qui sont en effet des otages. Mais pour comprendre ce qu'est un otage, il faut aussi savoir ce que n'est pas un otage. Et dans le cadre d'un conflit armé, une personne en uniforme, en situation de combat, n'est jamais un otage. C'est un prisonnier de guerre à qui l'on doit les égards que l'on accorde aux prisonniers de guerre, droit de pratiquer sa religion, de recevoir des soins médicaux en cas de besoin, d'être nourri décemment, d'être logé avec dignité. Il y a un certain nombre de réquisites qui s'appliquent aux prisonniers de guerre, qui ne sont évidemment pas possibles à respecter dans la situation de Gaza. Mais enfin, c'est quand même de cela qu'il s'agit. Et inversement, de l'autre côté, et là, vraiment, l'absence de cette donnée est criante dans la plupart des médias, et dans tous les médias audiovisuels, je dirais. De l'autre côté, il y a des milliers d'otages. Des Palestiniens arrêtés sans aucune raison ou avec une raison totalement fallacieuse, emprisonnés pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, sans dossier, sans accusation, sans avocat, sans juge. Bref, des détenus purement administratifs hein, qui sont tout à fait légalement autorisés sous la juridiction israélienne, qui active les lois de l'époque coloniale, donc la loi martiale de l'époque du mandat britannique. Au passage, les gens qui disent qu'il n'y a pas parler de colonie, de colonisation, de colonialisme en Palestine, on voit qu'ils ont totalement perdu tout jugement, quoi, parce que d'abord, c'est un vocabulaire qui est utilisé par les Israéliens et les sionistes eux-mêmes, que les lois qui sont appliquées contre la population colonisée sont les lois coloniales britanniques, mais tout ça est passé par perte et profit, c'est un peu trop gênant sans doute à considérer. En tout cas, ces lois permettent de détenir n'importe qui pendant n'importe qui de suspect, naturellement, la suspicion, ça va loin, de reconduire cette détention administrative de 6 mois en 6 mois, autant de temps qu'il le faut, et c'est donc bien d'otage. Et quand Israël s'il y a une trêve, et si cette trêve, comme on l'annonce là en ce moment, donne lieu à un échange d'otages, on parle d'une quarantaine d'otages israéliens contre environ 1000 détenus, parce que c'est comme ça qu'on les présente, palestiniens. Eh bien, c'est la moisson d'otages que fait régulièrement Israël, pour diverses raisons d'ailleurs, qui ne se résument pas à un échange de prisonniers. Il y a diverses raisons, mais bon,
Peut-être qu'on les abordera dans la discussion. Je ne veux pas prendre trop de temps sur ce sujet. Alors, voilà. Je pense qu'à partir du 7 octobre, on peut dire beaucoup de choses sur cette situation. Ce qui est accablant aujourd'hui, c'est à la fois la singularité de cette situation dans sa configuration politique et militaire, peut-on dire, et la suite, la configuration politique et militaire, pour moi, qui dans mon parcours à Médecins sans frontières ai eu l'occasion, soit directement, soit indirectement, de me confronter à de nombreuses situations, disons, de belligérance, comme on dit pudiquement, hein, des guerres ouvertes en Syrie, au Yémen, en Éthiopie, notamment, pour parler des derniers conflits au Soudan, pour parler des derniers conflits dans lesquels nous sommes, enfin, Médecins sans frontières est actif. Ce conflit se singularise par plusieurs choses qui méritent d'être soulignées. D'une part, bon, ça a déjà été dit, c'est rappelé à l'envi, c'est une guerre qui se déroule contre une population, je dis bien contre une population, il suffit de voir les images, hein, le Gaza aux trois quarts aplati, transformé en champ de ruines. C'est bien la population de Gaza qui est visée dans ces bombardements terrifiants, pas simplement le Hamas. Donc, dans la bataille de mots, il faut systématiquement récuser l'appellation « guerre Israël-Hamas ». C'est la guerre d'Israël contre les Palestiniens. C'est, me semble, tout à fait essentiel. Ça situe le problème dans une autre perspective. Mais donc, cette guerre menée contre une population qui occupe de façon extrêmement dense un territoire très exigu et hermétiquement, ou à peu près hermétiquement, clos. Ça, on ne l'a pas vu en Syrie, on ne l'a pas vu au Yémen, on ne l'a pas vu en Éthiopie, au Tigré, on ne l'a pas vu même à Grozny, d'une certaine manière, qui est probablement le bombardement le plus terrible de ces 50 dernières années, hein, le siège de Grozny en 99, par l'armée russe, donc la capitale de la Tchétchénie, 200 000, 300 000 morts, enfin, c'est pas, les chiffres sont très imprécis, et Grozny a été littéralement rasé. Grozny faisait 2 mètres de haut, disons, après le passage des bombardiers russes. Mais il y avait une fuite possible. Grozny n'était pas une ville scellée, il n'était pas une ville sous blocus, sous siège. Les habitants de Grozny pouvaient fuir, et nombre d'entre eux ont fui, y compris au Daghestan voisin, mais dans les montagnes, ou dans la famille, pratiquement en banlieue, mais en tout cas, ont pu fuir. Donc même dans ce bombardement qui a été absolument atroce, inhumain, s'il existe des bombardements humains par ailleurs, c'est discutable, mais particulièrement cruel, même là, la possibilité de la fuite existait. C'est absolument fondamental. Quand vous êtes pris dans une situation de guerre, que vous n'êtes pas vous-même un combattant, ou que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas contribuer au combat, pouvoir trouver un endroit où on bénéficie d'une relative sécurité, où on se soustrait à la logique de l'ultra-violence, c'est absolument essentiel, humainement, mais aussi selon le droit humanitaire, selon les règles, plus ou moins respectées, dans différents conflits. Là, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment une singularité qu'il est très important de souligner. La deuxième singularité, c'est l'intensité du bombardement. Alors ça, c'est pas moi qui peux en juger, mais j'étais frappé d'entendre de nombreux experts militaires faisant preuve au demeurant d'une complaisance nauséeuse vis-à-vis d'Israël, mais enfin tout de même rappeler, parce que même on était surpris, enfin on les a vus un peu évoluer quand même au fil du temps, ils commencent, pour nombre d'entre eux, à trouver que ça va peut-être trop loin, tout ça. Mais en tout cas, l'intensité des bombardements, la quantité de bombes déversées dans un endroit aussi exigu, sur une population aussi réduite, ça, c'est pratiquement sans précédent. Donc c'est une deuxième singularité. Et puis la troisième, qui n'est pas la moindre, elle n'est pas d'ordre militaire, mais d'ordre politique. C'est une boucherie qui est soutenue par ceux qui prétendent se dresser contre le principe même
de la boucherie dans la guerre, c'est-à-dire par les démocraties occidentales, par l'Europe et par les États-Unis, qui, je le rappelle, ont des lois, tous les pays européens et les États-Unis ont des lois qui interdisent d'exporter des armes lorsque celles-ci sont utilisées dans une perspective criminelle, c'est-à-dire sont utilisées pour commettre des crimes de guerre. Alors, il y a quelque chose d'un peu baroque dans ces lois. On exporte des armes. Les armes, ce n'est pas des cartes postales, ce n'est pas des bouquets de fleurs. Ça sert à faire du mal, ça sert à tuer. Oui, mais tout de même, il y a une ligne de défense possible. C'est que dans le monde, dans ce monde qui n'est pas constitué de... Ce n'est pas le monde de Mary Poppins. Il y a des dangers, il y a des armées. Et donc, il faut savoir se défendre. Donc, ces armes, elles servent à se défendre. Et je dirais un mot du droit à se défendre. Enfin, j'ai déjà fait allusion, mais je reviendrai brièvement sur cette notion de droit de se défendre. Donc aujourd'hui, et nous aidons, nous les Occidentaux, la France est plutôt, bien placée du point de vue des armes, bien placée, c'est-à-dire n'envoie pratiquement pas d'armes, quoique il semble qu'on ait trouvé des munitions françaises lors de l'attaque du crime de la farine, là, cette attaque d'un convoi humanitaire. Donc, il y a peut-être d'anciennes munitions, je ne sais pas. En tout cas, ça concerne très, très peu de choses, mais tout de même, on est impliqué, ne serait-ce que par nos déclarations. Reconnaître à Israël le droit de se défendre, accorder à Israël le titre enviable de seule démocratie du Proche-Orient, pays d'apartheid et de colonisation, qui pratique la détention arbitraire, qui pratique la torture, hein, la torture est légale en Israël, qui pratique l'occupation militaire illégale. Tout ça n'empêche pas que, chaque fois qu'on le peut, on gratifie Israël de ce qualificatif aimable de seule démocratie du Proche-Orient. Je ne vois pas quel autre pays pratiquant le racisme institutionnel, c'est-à-dire l'apartheid, et tout ce que je viens de dire, se verrait gratifié d'épithètes aussi aimables que celle d'Israël, jouit d'un statut tout de même particulier. Statut, et quand on est dans le particulier, on est dans le danger, à mon avis. C'est pas du tout une situation enviable, mais en tout cas, Israël surexploite cette possibilité. Donc, une complicité des pays occidentaux, qui va peut-être valoir d'ailleurs son siège de président, enfin son siège de président réélu, potentiellement, à Joseph Biden, hein, qui voit la jeunesse, y compris, et c'est quand même un grand soulagement, la jeunesse juive américaine s'éloigner, non pas des démocrates, mais de cette façon-là d'être démocrate, c'est-à-dire de soutenir un pays qui pratique, qui a de telles pratiques. Donc ça commence à se payer. On va peut-être vers un mai 68 en France. En tout cas, les signes de soulèvement étudiant se multiplient. Soulèvement étudiant, hein. Vous avez vu cette polémique grotesque contre Rima Hassan. Soulèvement, comment ça se dit en arabe ? Intifada. Alors, vous appelez à l'intifada, Sciences Po. On atteint vraiment des sommets de grotesques qui font honte quand même, qui sont... vraiment méprisable. Enfin, ça fait partie de l'environnement, il faut bien vivre avec. Donc c'est ces trois conditions, plus le fait que la Cour internationale de justice, plus haute instance judiciaire, dont les avis et les jugements font autorité, c'est-à-dire doivent être exécutés par tous les pays membres de l'ONU, c'est un engagement qui est pris lorsqu'on devient membre de l'ONU, bien la CIJ parle de risque de génocide ou parle de génocide plausible et enjoint Israël à prendre des mesures qui permettraient d'enrayer la marche vers le génocide. Mais enfin, les bombardements continuent et la seule façon dont Israël est en train d'essayer de se sortir de ce mauvais pas, car c'est un très mauvais pas, qui est en plus... c'est un très mauvais pas, c'est même pas la peine de commenter, c'est l'évidence même. Mais à la démarche de la CIJ, va peut-être s'ajouter celle de la CPI, instance différente. Hein. La CIJ, je le rappelle, juge des États, et la CPI, Cour pénale internationale, juge des individus. Donc Netanyahou pourrait être doublement condamné. L'État d'Israël pourrait être condamné, et Netanyahou
lui-même, plus le chef d'état-major et, je l'espère, quelques militaires et colons par la même occasion. Mais en tout cas, la CIJ a rendu cet avis, si bien que des pays comme les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas, pour ne parler que des principaux fournisseurs d'armes, mais à part les fournisseurs d'armes, il y a des soutiens politiques et diplomatiques qui peuvent être considérés comme des encouragements à poursuivre cette trajectoire de violence, eh bien, ils peuvent être considérés comme complices de génocide. Et ça, je pense que c'est un enjeu, c'est un élément extrêmement important dans la situation actuelle. Parce que si cynique, si complaisant, si paralysé, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quand on parle d'Israël, l'État des survivants de la Shoah, il y a une espèce de saisissement qui gagne partout, il y a une inhibition qui se fait sentir. Donc cette inhibition-là, elle existe, elle est constatable, y compris, et d'abord, avant tout, en Allemagne, évidemment, où on ne cesse de battre sa coulpe sur le dos et sur le visage des Palestiniens, évidemment. C'est une culpabilité formidable, puisque c'est les autres qui la payent. Hein. Mais bon, en tout cas, les Allemands ne se privent pas de rappeler en permanence que leur passé leur interdit toute action hostile contre Israël, et que... on pourrait dire que leur passé leur interdit de soutenir toute action hostile contre une population. Ça serait quand même une leçon de la Shoah un peu plus substantielle que simplement refuser de condamner un pays fascisant. Quoi. C'est, mais bon, voilà, on tire les leçons qu'on peut. C'est la loi du genre. Mais en tout cas, critiquer tous les pays qui soutiennent Israël au motif qu'ils risquent de tomber sous le coup de l'inculpation de complicité de génocide, ça, c'est quelque chose qu'aucun d'entre eux n'envisage avec sérénité. Et donc, c'est un point faible de la position de défense politico-diplomatique israélienne. Et je pense que tous les groupes militants, tous les activistes, tous les gens qui recherchent une amélioration, parce que rechercher la justice et la paix, pour l'instant, ça paraît tellement hors de propos, mais simplement une amélioration de la situation, c'est-à-dire un relatif rééquilibrage du rapport de force démesurément installé en faveur des Israéliens et qu'il s'agit de tenter de rééquilibrer, eh bien c'est sur cette notion, ce cadeau d'une certaine manière, mais ce n'est pas dans leur esprit un cadeau, c'est une analyse juridique dûment élaborée, mais ce cadeau politique de... la notion de génocide mise officiellement sur la table par les juristes compétents pour faire cela. Ça, c'est absolument indispensable. Et vous noterez que c'est une bataille qui est engagée et férocement engagée. La bataille des mots, elle est certes moins sanglante que la bataille avec les bombes, les missiles, les drones, etc. Mais elle est extrêmement importante parce que, in fine, c'est quand même avec des mots qu'on construit du politique, de la société, qu'on dépasse certaines situations, et c'est donc extrêmement important de le faire. Et je termine enfin, je suis un peu plus long que ce que... Non, enfin, grosso modo, dans les temps. Je termine enfin sur cette idée de sans cesse rappeler du droit de se défendre. Il est un peu l'image en miroir, selon moi, de ce que les Israéliens ont nommé la conceptia. La conceptia, ce sont les éléments de langage dont je parlais au début, lever toute distinction entre Israéliens et Juifs, au passage, éliminer les 20% d'Israéliens qui ne sont pas Juifs. Ça, c'est fait partie, mais c'est tellement habituel qu'on ne pense même plus à le souligner. Présenter Israël sous un jour favorable, la Startup Nation, la démocratie, Tel Aviv, le lieu le plus branché du monde, enfin, etc. Donc, toute cette... Et puis, la troisième, qui n'est pas la dernière, que j'avais omis de rappeler au début, un peu pris par mon élan, c'est la question de la légitimité. La critique de la politique israélienne se voit gratifiée de deux contre-critiques, de deux réponses destinées à la crédibiliser. L'une, c'est « vous êtes un antisémite », antisioniste égale antisémite, mais de fait,
la critique de la politique israélienne, ça c'est l'exercice convenu, habituel, la critique de la politique israélienne est absolument autorisée. Naturellement, Israël est un pays comme les autres. D'ailleurs, rappelle-t-on tout le temps, les Israéliens ne sont pas les derniers à pratiquer cette critique, ils sont même les premiers. On n'arrivera jamais à être aussi critique que les Israéliens. Moi, je demande à voir, et quand on examine les choses, on voit bien l'abus qu'il y a dans cette phrase totalement démagogique. Mais bon, ça fait partie, ça aussi, du jeu. Donc, critiquer la politique israélienne, c'est se placer, c'est se mettre, disons, sous la coupe d'un discours antisémite. Et puis l'autre point de communication extrêmement important, c'est la question de la légitimité. Vos critiques dénient à Israël toute légitimité. Et on le voit, par exemple, quand le slogan « Palestine libre du fleuve à la mer » qui fleurit en ce moment, sans doute pour certains... Moi, en tout cas, je n'en doute pas, mais je ne doute pas non plus que ce soit une toute petite minorité. Ça veut dire « dehors les Juifs dehors les Juifs de la Palestine ». Il y a des gens qui pensent dans ces termes-là. Mais je signale que même le Hamas ne pense plus dans ces termes-là depuis déjà un certain temps, depuis 7-8 ans, avec sa nouvelle charte qui corrigeait la première. Et ça n'est, moi, je pense que c'est quelque chose de sérieux, que ce n'est pas un détail. Mais disons que ça peut être le cas pour un nombre limité de gens. Mais sinon, comme les gens s'en expliquent très bien, entre le Jourdain et la Méditerranée, il y a des Palestiniens tout au long. Et ce sont des gens qui ont moins de droits que les Israéliens, voire pas de droits du tout. Les Israéliens palestiniens, donc les Palestiniens de 48, comme ils préfèrent être nommés, ont des droits civiques tout à fait égaux à d'autres, d'où la présence de juges, voire même, de temps en temps, d'un ministre, de députés, etc. Mais dans la vie réelle, dans la vie quotidienne, qu'il s'agisse des droits sociaux, des droits économiques, des droits au crédit, ouverts par le fait d'avoir fait son service militaire, par exemple, les armées israéliennes ne faisant pas leur service militaire, ils se voient boucher un certain nombre de possibilités qui sont ouvertes aux autres. Donc, même en Israël, les Arabes, les Palestiniens de 48 ont moins de droits que les Juifs. Mais alors ensuite, c'est même pas la peine d'en parler. Les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens des trois zones de Cisjordanie et les Palestiniens de Gaza, eux, en gros, ils ont à peu près aucun droit, tandis que leurs voisins juifs israéliens les ont tous. C'est pour ça que discuter de l'opportunité d'employer le mot apartheid me paraît totalement irréel. Je ne sais pas dans quel monde vivent des gens qui trouvent que apartheid, ça ne s'applique pas à Israël. Soit ils ne savent pas ce qui s'y passe, ils ne devraient pas en parler, soit ils savent ce qui s'y passe et alors ils sont vraiment totalement aveuglés par leurs préjugés ou ils nous mentent ouvertement. Mais en tout cas, c'est vraiment impossible d'échapper à cette notion. Donc, la réponse qui est faite, c'est vous tenter de délégitimer Israël. Que peut-on dire à ça? Que, par exemple, Netanyahou, mais avant lui d'autres, ont exigé, d'un seul coup, c'est apparu comme ça dans le débat, ont exigé des Palestiniens, de l'OLP, d'Arafat, de tout le monde, que... il déclare que la présence juive en Palestine était légitime. On n'a jamais vu ça dans aucune relation diplomatique, dans aucune sortie de conflit, et encore moins dans une sortie de conflit colonial, où on demande aux colonisés de reconnaître la légitimité du colon. C'est quand même une aberration que seul le conflit israélo-palestinien nous réserve. C'est aussi pour ça qu'il y a quelque chose de passionnant, voire presque d'hypnotique, parce qu'il nous réserve des surprises. En Israël, il y a un mot pour ça, ça s'appelle la chutzpah, c'est le culot. C'est un mot yiddish qui critique. La chutzpah, ce n'est pas un terme élogieux, c'est un terme peut-être vraiment gonflé, mais c'est un terme de critique, disons, souriante, enfin, vraiment,
presque ricanant. Mais voilà, la chutzpah israélienne, elle se manifeste par ce genre de choses. Traiter l'ONU dans son ensemble d'antisémites, hein, comme ça a été fait encore la semaine dernière, ou le genre de choses que je disais à l'instant. Alors, je termine quand même, ça fait trois fois que je le dis, il va bien falloir que j'y aille. Le droit de se défendre, j'y ai fait allusion, donc ce sera vraiment très rapide, je terminerai pour de bon là-dessus. Le droit de se défendre, il est invocable, enfin, je ne parle pas ici en juriste, mais en personne quand même qui s'est intéressée au droit international et au droit de la guerre, et j'ai vérifié auprès de juristes internationalistes, c'est évident, le droit de se défendre, personne ne peut le contester, et pour ce qui concerne les États, il est invocable lorsqu'on est attaqué par une entité équivalente, c'est-à-dire un autre État. Donc si le Liban attaque Israël, ou si l'Égypte attaque Israël, la riposte israélienne fait partie du droit international. Ça ne fait absolument aucun doute. De même d'ailleurs que le droit d'occuper, occuper un territoire ennemi ou conquis par la force n'est pas en soi illégal. C'est la durée qui le rend illégal, c'est-à-dire le sentiment que l'impression que l'on donne de vouloir s'approprier ce territoire acquis par la force, ça c'est tout à fait interdit. Et ce qui est interdit également, c'est une pratique israélienne quotidienne, c'est d'installer des populations civiles sur ces territoires conquis par la force, qui s'appellent en bon français colonisés. Et voilà, ça c'est interdit. Mais se défendre contre une insurrection populaire n'est pas un droit, c'est une pratique politique bien établie, naturellement, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais ça n'est pas un droit. Or, il y a quelque chose de scandaleux dans le fait que l'on constate que tous les États qui se prétendent amis d'Israël, et qui sont de fait ses alliés, en tout cas pour le moment, ça pourrait changer, je pense, mais enfin pour le moment, tous ces États commentent la situation en invoquant le droit irrécusable d'Israël de se défendre, comme si Israël avait été agressé. Israël n'a pas été agressé. Israël fait face à un soulèvement, face à une action armée qui provient d'un territoire qu'il occupe, puisque Israël occupe Gaza par le fait qu'il occupe l'air, la terre, le sous-sol, la mer, le littoral, les communications financières, électroniques, etc. Donc, sauf qu'il n'y a plus d'armée israélienne. C'est une prison autogérée, gardée de l'extérieur, mais une véritable prison, c'est-à-dire où tout ce qui entre et sort est sous contrôle du geôlier. Eh bien, ça s'appelle une occupation, c'est tout à fait normal de l'appeler comme ça. Donc, le droit de se défendre, c'est à l'occupé qu'il revient. Et ce tour de passe-passe, ce renversement de situation, cette inversion de la charge de la preuve, elle caractérise pour l'essentiel les diplomaties occidentales. Et c'est, à mon avis, cela que nous devons combattre, parce que nos actions ici n'ont pas vraiment de répercussions directes en Israël. En Israël, on entretient la population au sujet de la haine supposée que le monde entier voue aux Juifs. Donc toute critique d'Israël, de toute façon, inspirée par la haine, la volonté de voir les Juifs disparaître, de terminer le boulot d'Hitler, enfin, toutes les conjectures paranoïaques que l'on peut imaginer. En revanche, comme je le disais pour le génocide, les alliés d'Israël, eux, ils n'ont pas envie d'être embarqués trop profondément, trop lointainement, dans des politiques, à l'évidence, de plus en plus inhumaines, d'une cruauté qui embarrasse vraiment tout le monde. Et on le voit bien, d'ailleurs, toutes les chancelleries alliées sont embarrassées. Aucune d'entre elles n'a traduit en acte encore. Quoique, en Hollande, la question de l'exportation des armes suite à une action menée par des juristes et des activistes commence à être sérieuse. Alors, je ne sais pas si, je vois qu'il y a des gens qui sont au courant, je ne sais pas si les exportations d'armes ont cessé ou si, pour l'instant, ils se heurtent à ce problème juridique et ils sont sur le point de le faire. En tout cas, quelle que soit la situation,
On voit qu'il y a des avancées possibles, c'est-à-dire des reculs de la part des alliés d'Israël qui, inévitablement, parce qu'on ne peut pas entretenir un ghetto surarmé tout seul, on a besoin d'une protection. Quand cette protection, quand les facilités que fournissent les Américains et les Israéliens cesseront, Israël changera de politique. La continuation de cette espèce de... Enfin, la condition de cette situation deviendra impossible. Donc, tout n'est pas cuit. Les carottes ne sont pas cuites, pour le dire comme ça. En Israël, reste un problème que je préempte tout de suite. Je dis tout de suite que je n'aurai pas de réponse si la question vient à être posée. Qu'est-ce qui se passe après? Ça, c'est la question qui angoisse tout le monde. Personne n'a de réponse, et à commencer par les Israéliens. C'est bien ça le problème. C'est que les plus proches alliés d'Israël, en particulier Washington, sont extrêmement inquiets, et pas seulement Washington, de ce qui va se passer. À quel moment, on va dire, mission accomplie? À quel moment la guerre sera considérée comme gagnée par les Israéliens et laissera place à une administration civile, et sous quelle forme, laquelle, etc. Là, on ne voit que des niettes opposées par Netanyahou. Pas question que l'autorité palestinienne soit impliquée, pas question que l'OLP soit impliquée, pas question que la Cisjordanie et Gaza soient rassemblées en une même entité politique. C'était un des fondements des accords d'Oslo, hein, je le rappelle. Donc, tout cela fonctionne sous la forme d'interdits qui envisagent de... rendre impossible d'envisager une paix durable. Et c'est là que je termine vraiment. Mais la paix n'a jamais été l'objectif des Israéliens. Ça, il faut en être conscient. Les Israéliens veulent la sécurité pour eux-mêmes. Et cette sécurité, elle passe par la force. Elle ne passe pas par la paix. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci vraiment.